サイヤ人ベジータを逃がした孫悟空たちは死んでいった仲間たちを生き返らせるために神の残した宇宙船を手に入れ、ドラゴンボールがあるという神の母星にナメック星へと旅立つのであった。無事ナメック星へたどり着いたブルマたちであったが、サイヤ人の宇宙船だ。思いもよらぬ出来事に地球への連絡を取るのであった。亀仙人から話を聞いた孫悟空は、ヤジロベエが持ってきた仙豆の力によって完全に回復し、天才科学者であるブルマの父に解放してもらったサイヤ人の宇宙船に乗り、ナメック星へと出発するのだった。いざナメック星へ。よし、早速修行始めっか。ナメック星に着くまでにあのベジータっちゅうやつを超えなきゃなんねっちゅうな、ええことだ。まずは基本から徹底的に鍛え直さねえとな。Salut à toutes et salut à tous, c'est Fioz et bienvenue pour la suite de ce Let's Play de Dragon Ball Z Budokai en HD avec les musiques originales. Alors pour commencer, on va devoir faire une sorte de petit entraînement. Rien de bien difficile, hein. On va affronter une sorte de Vegeta bleu ciel. Donc voilà, c'est dommage qu'on puisse pas le contrôler puisqu'il est pas mal quand même avec cette couleur. Et en fait là c'est un simple exercice de déviation. Vegeta va envoyer une boule de ki, vous allez devoir appuyer sur le bouton de protection 15 fois. Et voilà quoi, l'exercice va d'ailleurs se terminer là maintenant. Voilà, jusque là, rien de bien compliqué. C'est très simple. Goku yo, kikoeru ka Goku. Oh! Sono koe wa Kaiō-sama ka? Goku, yoku kiku no da.今お前の向かっておるナメック星にはあのサイヤ人よりとんでもない奴がおる。ナメック星についてもそいつだけには絶対に手を出すんじゃないぞ。わかったか？フリーザ、奴だけにはな。たとえ手を出さねえにしたって強くなって損はねえさ。Bon, Sangoku vient d'apprendre l'existence de Frieza, et donc on va continuer à s'entraîner pendant qu'on va sur Namek avec le Vegeta bleu ciel. Pour cet entraînement, vous allez devoir appuyer sur P et sur K, donc sur le coup de poing et sur le coup de pied. Ou alors vous appuyez tout simplement sur R1, ça va plus vite. La plupart des personnes font ça, et vous allez devoir faire en sorte que Vegeta appuie sur R1 lui aussi, donc normalement il va balancer que des coups comme ça, pour lancer le mode rafale. Et une fois que vous êtes un petit peu dans ce mode rafale, donc il y a le décor qui disparaît, vous allez devoir vraiment bourriner votre manette. Et au final, celui qui aura donné le plus de coups va donner un gros coup à l'autre et prendra un petit peu l'avantage sur le combat. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de réussir le mode rafale, hein. Il me semble que vous êtes obligé d'en réussir un seul. Mais après les 5, vous n'êtes pas obligé. Oula, attention. D'ailleurs, je précise que c'est plus facile sur PlayStation que sur GameCube, hein, puisque la manette de GameCube est en moins favorable pour ce genre de truc où il faut bourriner. Hein. Bon, allez, on continue. Voilà, normalement c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à attendre. Ou alors, si vous voulez, bah, vous bourrinez la manette, hein, en mode genre gros bourrin. Et maintenant, il nous reste encore une fois un entraînement à faire. Et c'est parti, encore une fois, on a droit à Sangoku contre Vegeta Bleu Ciel. D'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce qu'on est téléporté aux montagnes rocheuses.
Ils auraient pu créer une sorte de map pour le vaisseau, mais enfin bon, c'est pas grave, c'est ça la magie de Dragon Ball. On a transporté le soleil, la lune, dans les montagnes rocheuses. Bon, ce combat peut s'avérer assez difficile pour les débutants. Même moi, j'ai eu un petit peu de mal, bien que la difficulté soit pas forcément élevée. Mais sinon, au bout de 2-3 fois, vous devriez réussir. Hein. Je rappelle quand même que c'est pas le vrai Vegeta, donc ça peut vous rassurer. D'ailleurs, je sais même pas si je vais réussir du premier coup. Au pire, vous faites de l'anti-jeu, hein, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Ah ouais, là je suis vraiment à un hit, quoi. Donc, allez, c'est parti, je vais utiliser ma maîtrise de Dragon Ball Z Budokai. Et bah voilà, j'ai gagné grâce à un Kamehameha. Ça, c'est la classe. Yeah. Osh, Shugyo wa korimaru da. Kori nara kitto nanbei mo no kaioken da tte taerareru no. Nantoka Shugyo kara nige nobita Vegeta wa wakusou Frieza ni touchaku shi taireku wo kaifuku sase Namekusei ni mukao to shite ita. フリーザ様はどこに行かれたんだ？お前が発見したドラゴンボールを探しにナメック星に向かわれたぞ。くそー！あの野郎！そうはさせん！あれは俺のもんだ！ほうっほっほっほっ。素直に渡せばいいものを。死ねー！やめろー！バカ野郎！逃げるんだ！早く！このボールは命がけで守ります。しかしベジータはフリーザのボールを奪い、残りのボールを持ったクリリンを発見する。何から何までこの俺に運が向いてきやがったぞ。ベジータ、オートを見つけたぞ。果たしてベジータは全てのドラゴンボールを手に入れることができるのであろうか。ベジータ快進撃。ずいぶん舐めた真似をしてくれたな、ベジータ。そっちのドラゴンボールを持っているチビにも見覚えがある。そうか、貴様らつるんでいたのか。まさか。しかしそんなことはどうでもいい。貴様を半殺しにしてボールの場所を喋ってもらうぞ。やってみろよ。バカなやつ。C'est parti pour le tout premier combat sur Namek. On laisse un petit peu son Goku de côté. En même temps, c'est normal, hein, il est dans son vaisseau. On va pas le faire venir ici juste pour vous faire plaisir. Et on prend le contrôle de Vegeta, le rival de Son Goku, qui doit affronter Zabon. Alors Zabon, c'est un personnage un petit peu énigmatique. D'ailleurs, c'est le seul jeu Budokai où Zabon apparaît. Il ne réapparaîtra plus après, donc il a été un petit peu laissé de côté, je trouve, par les développeurs. Et c'est vraiment dommage, parce que il a une voix quand même pas mal, il a un charisme. D'ailleurs, on l'affronte sous sa forme évoluée. Enfin, au début du combat, là, il vient de redevenir normal. Et en fait, ce personnage est assez élégant, un petit peu bourge. D'ailleurs, son costume alternatif, il est un petit peu en costume, costard-cravate avec une rose. Et là, on voit aussi, il a des brassards roses, etc. Donc on le voit un petit peu efféminé. Et il me rappelle un petit peu Zelos de Tales of Symphonia. Enfin, c'est vraiment un avis personnel. Hein. Après, libre à vous de juger. いくら貴様が戦闘力を上げたとしても、変身した私に勝てるわけがない！いやー！サイヤ人は戦闘種族だ！なめるなよ！うわー！
待っていましたい。行こう。ボート、ジース、ウルド、ギニュー、では、邪魔者の始末、お願いしましたよ。ギニュー特戦隊、もう繋がったか。さあ、ベジータちゃん、たっぷりと可愛がってあげるからね。ギニュー特戦隊、行こう。C'est parti, Vegeta contre Rikum, une des recrues du commando Ginyu. Alors le commando Ginyu, c'est quoi? C'est une bande de mercenaires avec une chorégraphie et chacun est de couleur différente. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Eh ben moi je vous le dis tout de suite, c'est une parodie des Power Rangers. Bon, sauf que les Power Rangers à la base ils font le bien alors que ils font le mal. Alors le commando Ginyu est composé de Rikum, de Ginyu, donc le capitaine, de Guldo, de Jis et de Barta. Malheureusement, on ne va affronter que Rikum et Ginyu. C'est les deux seuls qui sont jouables dans ce jeu, en fait. Alors, deux petits mots au niveau du gameplay de Vegeta. Il a des mouvements qui sont quand même bien différents de ceux de Sangoku. C'est-à-dire, Sangoku, lui, il balance des coups de pied beaucoup plus rapidement. Tandis que Vegeta, ses coups de pied sont un petit peu plus lourds et mettent plus de temps à arriver. Donc, voilà, si vous êtes plus adepte de pied, prenez Sangoku. Si vous êtes plus adepte de poing, bah, prenez... Vegeta, il est un petit peu plus lent, mais voilà quoi. En fin de compte, il est pas mal aussi, avec son canon Garrick. ここまでで、さあそろそろ始めようぜ。お命ちょうだい。僕は早く。おっと、おっ、一足早く。ナメキ星に到着していたゴハンとクリリンはドラゴンボールの生みの親最強老と出会い、潜在能力を引き出してもらうのであった。ナメキ星人を襲いドラゴンボールを奪っていくフリーザ一味、その親衛隊であるギニュー特戦隊の前にフリーザからドラゴンボールを奪ってきたベジータと共になすすべもなくやられてしまっていた。到着、ナメック星に到着します。クリリン、ジース死にかけて、すぐ行くぞ。待ってろ。今こそ修行の成果見せてやる。悟空到着。おめえたちよく頑張ったな。あとは任せてくれ。こいつらおらしといて片付ける。妙な野郎だぜ。俺たちは一人で片付けるだろ。おめえらオラに勝てねえ。戦わなくてもわかる。何を言うかと思ったら
これ以上大ボケ野郎の冗談に付き合ってるのに一瞬で決めてる。C'est parti, on a déjà affronté Rikum avec Vegeta, il lui a balancé une technique qui s'appelle Final Flash dans la gueule, mais apparemment, il est encore vivant. Là, on est de retour avec Son Goku qui possède la technique Kaioken x5. Alors, laissez-moi vous dire, ce combat va être très très court, tout simplement parce que chaque transformation augmente environ de 10% l'attaque. Donc, Son Goku, Kaioken x2, Kaioken x5. Après, peut-être qu'il y a d'autres transformations, après, je ne sais pas. Enfin, si je le sais, mais je vais pas vous dire, quoi. Donc regardez bien, j'ai même pas perdu une barre de vie, mais Rikum il se laisse battre quoi. Quand je dis que le niveau est vraiment bas, c'est pas une blague. Bon allez, on va l'achever gentiment. Ah mais il se défend le bougre. Voilà, Kamehameha. Oh mais c'est pas vrai, voilà un petit coup de poing. Et c'est terminé, Rikum est battu. まさか嘘だろ。ベジータや俺たちがどんなに攻撃してもびくともしなかったやつ。ちくしょう。サイヤ人の戦闘レベルは明らかに超えている。地球で戦ったあいつとは別人だ。伝説は本当だったのか。千人に一人現れるというスーパーサイヤ人。よくも俺様の可愛い部下たちをやってくれたな。ギニュー特戦隊隊長、ギニュー様自らが思い知らせてくれるわ。ベジータ、おめえはもう一人のやつやってくれ。死にかけて前傾してから力がぐんと増えたはずだ。これで勝てねえ相手じゃなくなった。ち、知ってやがったな。よし、行くぞ。ドラゴンボールは俺がいただいた。アバよ、カカロット。ジータ、スキアリ。Vegeta, t'es qu'un enfoiré. Permets-moi de te le dire. Tu laisses Sangoku tout seul comme ça. Enfin bon, c'est pas grave. Sangoku est bien plus puissant que le commandant Ginyu en personne. Et même que le commando Ginyu réuni d'ailleurs. Hein. C'est un petit peu dommage d'ailleurs dans ce jeu. Qu'il respecte pas certains passages du manga. Enfin, c'est pas qu'il respecte pas, c'est plutôt qu'il saute certains passages. Par exemple, on a vu Dodoria, on a vu un bref coup de pied donné par Sangohan, mais c'est tout quoi. On n'a pas vu la bataille avec Barta, on n'a pas vu la bataille avec Guldo, on n'a pas vu la bataille avec Jis. C'est un petit peu dommage, mais franchement, voilà quoi. On n'en veut pas aux développeurs, c'était vraiment un très bon jeu pour l'époque quoi. C'est sûr qu'aujourd'hui, les puristes du Tenkaichi vont pas forcément adhérer au nombre de personnages, vont pas adhérer forcément au scénario, vont pas adhérer forcément au gameplay, mais sincèrement voilà quoi, c'est ce jeu qui est la référence des jeux Dragon Ball. C'est la fin du combat, mesdames et messieurs, on a battu Ginyu. スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか、貴様はスーパーサイヤ人にはなりきれていないのだな。だが少なくともこの俺様よりはるかに強い。気に入ったぞその体。何を。交換させてもらったぜ貴様の体と見つけたぞよくここまで来れたなもっとひどい傷をつけておくんだったまったくその通りだぜベジータかさっさとするんだな残った方を片付けて。ならば死に損ないから先に始末してやる。
Non, vous ne rêvez pas. Dans ce combat qui sera le dernier de la vidéo, nous devons contrôler Ginyu pour affronter Sangoku. Parce que les esprits ont été intervertis en fait. Attention, il balance une attaque absolument épique. L'attaque douche de parmesan. Parce que toutes ces techniques en fait font référence à un produit laitier. Donc par exemple, l'attaque rayon qu'il possède, malheureusement là on l'a pas. Il s'agit de l'attaque laiteuse. Donc on peut pas faire plus laitier que ça. Hein. Et Sangoku d'ailleurs, on voit dans ses techniques qu'il ne possède pas l'attaque Kaioken, enfin la transformation, tout simplement parce que il est dit dans le manga que Ginyu n'arrive pas à maîtriser le corps de Sangoku et donc il ne peut pas utiliser le Kaioken. Donc là encore une fois, c'est très fidèle au manga. Et d'ailleurs c'est la fin du combat parce qu'on balance encore une fois douche de parmesan pour l'achever. Et c'est aussi la fin de la vidéo vu que je ne vais plus reparler jusque là. Allez, salut, bye. ドレッタ。